Alors l'Europe de Charlemagne, c'est une Europe qui n'a pas grand-chose à voir avec celle d'aujourd'hui. C'est une Europe où il y a une grande civilisation, un grand empire, qui est au sud-est de l'Europe, et qui est l'Empire byzantin, c'est-à-dire l'Empire romain d'Orient. Au nord-est de l'Europe, dans les pays que sont l'Allemagne de l'Est, la Pologne et la Russie actuelle, ben c'est le monde sauvage, avec des peuples slaves ou germaniques, pas encore christianisés, pour la plupart. Et puis, à l'ouest de l'Europe, il y a des royaumes, divers et variés, qui sont chrétiens, et parmi eux, le plus puissant, c'est le royaume des Francs, qui va devenir, avec Charlemagne, avec cette dynastie établie par son père et son grand-père, la dynastie carolingienne, donc, va vouloir, et parvenir d'ailleurs, à recréer un empire romain d'Occident, en parallèle à l'empire romain d'Orient. Recréer un empire romain d'Occident qui n'existe plus déjà depuis quelques siècles. Et ils vont y parvenir. Le problème, c'est qu'ils ne vont pas y parvenir longtemps, parce que quelques décennies après la mort de Charlemagne, ses petits-fils vont le faire éclater. Ça sera la dernière tentative véritable de recréer un empire romain d'Occident. Alors c'est une armée très puissante, avec énormément de cavalerie, une cavalerie lourde d'ailleurs notamment, qu'on considère comme étant les prémices de la future chevalerie médiévale. Mais contrairement à ce que les historiens ont longtemps cru, il n'y a pas que de la cavalerie dans l'armée de Charlemagne, il y a aussi beaucoup d'infanterie. Et alors c'est une armée qui a des forces, des faiblesses. D'un point de vue tactique, ça n'est pas une armée très raffinée et très subtile, entre guillemets. Hein. C'est l'art subtil de la manœuvre tactique de la Légion romaine s'est perdu hein, depuis longtemps. Mais en revanche, au niveau stratégique, c'est une armée qui est étonnante parce qu'elle est, bon, comme je l'ai dit, très puissante, très nombreuse. On réussit à mobiliser beaucoup de monde. Elle bénéficie d'une logistique impressionnante, surtout quand on voit les moyens de l'époque. Et chose étonnante, elle bénéficie également d'un service de renseignement très puissant qui s'étale à peu près sur tout l'Empire et sur ses marges, et également à Aix-la-Chapelle, c'est-à-dire la capitale impériale, d'un véritable état-major central qui planifie des campagnes. Chose qu'on ne verra pas avant, enfin une telle organisation, on la retrouvera pas avant le grand état-major prussien du 19e siècle. Bon, j'exagère un petit peu, mais quand même, c'est assez étonnant. Alors, le point faible d'une machinerie aussi puissante, c'est qu'elle est lourde. Par conséquent, elle est lente à mobiliser. Elle est lente également à se mettre en route et à parvenir à un point où elle fait la guerre. Or, ce type d'organisation est valable quand, comme c'est encore le cas sous Charlemagne, on a affaire à des ennemis fixes, c'est-à-dire les Saxons, ou le royaume des Avars, ou le royaume des Lombards, ou les émirats musulmans d'Espagne. Mais le problème, c'est qu'à la fin du règne de Charlemagne, il y a un nouveau type d'invasion qui arrive, qui sont au nord les Vikings, au centre les cavaliers hongrois, et au sud les raids des pirates sarrasins. Or, ces menaces-là sont des menaces qui sont en quelque sorte comme des centaines de piqûres de guêpes, c'est-à-dire ce sont des petits raids, petits ou moyens, mais ce ne sont pas des énormes armées, ce sont des petits raids sont complètement décentralisés et imprévisibles. Et face à une telle menace stratégique, il faudrait une armée extrêmement centralisée et lourde et pratiquement impuissante. Il faudrait décentraliser la défense. Et c'est d'ailleurs ce qui va se produire, c'est que la défense va se décentraliser de fait, malgré la volonté du pouvoir central, et ça aussi contribuer à l'éclatement politique féodal.
C'est un très bon chef de guerre, il est tout à fait compétent. Il est à la fois courageux, mais bon, cela dit, ça, il n'en a pas stricto sensu besoin, puisqu'il ne combat pas sur le champ de bataille, et en ce sens, c'est un vrai stratège. Il n'a pas à être au premier plan, mais c'est un homme sage, qui sait choisir de bons conseillers, et qui sait s'inspirer des auteurs anciens, grecs ou romains, sans les lire, puisque vraisemblablement lui ne savait pas lire, mais on lui a lu tous les grands auteurs comme Végèse, Frontin, Tite-Live, et c'est un chef de guerre tout à fait compétent. Un auteur, un historien américain qui est sans doute le meilleur spécialiste actuel de l'armée carolingienne compare Charlemagne à Eisenhower, au général Eisenhower pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire grand chef politique, diplomatique et organisationnel, grand manager. Alors, effectivement, on sait depuis peu, grâce aux travaux de nombreux archéologues allemands essentiellement, que le monde carolingien possédait un avantage extraordinaire sur tous les autres, c'est qu'il était vraiment en avance en matière de métallurgie. Et il existait non seulement en avance d'un point de vue, je dirais, qualitatif, le fer et les aciers produits à cette époque dans ce monde carolingien étaient supérieurs, et on savait extrêmement bien les forger, en faire de très bonnes armes, notamment des épées, mais également d'un point de vue quantitatif, parce qu'il y avait des centaines et des milliers peut-être de petites forges locales qui étaient capables, mises bout à bout, si l'on puis dire, de fournir une production extraordinaire pour équiper toute l'armée. Et il y a même eu des lois qui ont été édictées à ce moment-là, interdisant d'exporter ces armements véritablement stratégiques et high-tech, hein, pour employer les mots, le vocabulaire actuel. Cette découverte des archéologues et des historiens leur fait même avancer une hypothèse que je juge tout à fait intéressante, c'est que cette avance prise par le monde carolingien à l'époque en matière de métallurgie est, pour eux, peut-être considérée comme l'un des points de départ majeurs de l'avance technologique occidentale, qui, plusieurs siècles plus tard, va permettre à l'Occident de, là aussi, de démarrer encore plus fort et de partir à la conquête du monde. De l'aventure militaire, stricto sensu, pas grand-chose. Pas grand-chose, mais de l'aventure politico-stratégique, énormément. En tout cas sur l'Europe continentale. Puisqu'il faut le savoir, c'est que les îles britanniques ont été écartées, ne font pas partie de l'Empire carolingien et vivent déjà une histoire à part à ce moment-là. Mais sur l'histoire continentale et en particulier l'histoire de l'Ouest de l'Europe pendant 1000 ans, le fait que l'Empire carolingien se soit séparé en trois parties, mais à l'intérieur de ces trois parties, deux plus grosses que les autres, deux plus grosses que la troisième, hein, la Lotharingie qui a été rapidement absorbée, c'est ce qui donnera plus tard la France et ce qui donnera plus tard le monde germanique, le monde allemand, qu'il s'appelle Saint-Empire romain germanique comme au Moyen Âge ou à l'époque moderne, qui s'appelle Empire allemand, Empire autrichien. Bon, on peut dire que quelque part, d'une part, 1000 ans de rivalité en Europe de l'Ouest entre la France et le monde germanique trouvent leur source dans l'éclatement de l'Empire carolingien. De même qu'on peut dire aussi que pendant 1000 ans, le monde germanique d'un côté, le monde français de l'autre, se sont battus et se sont disputés les restes de la Lotharingie. Que ce soit le conflit pour l'Alsace-Lorraine ou des choses comme ça peut être interprété comme de cette façon, ça peut être lu de cette façon-là. C'est 1000 ans après, Français et Allemands se partagent les derniers rogatons, les dernières miettes de la Lotharingie.